Pour un nouveau vlog, on est lundi, je crois que c'est la première fois que je commence un vlog lundi, et je vais un peu vlogger toute la semaine, voilà, pour vous amener avec moi, et là je commence en rangeant, je vous prépare un vlog, parce que depuis donc maintenant plusieurs semaines, je fais le vide chez moi. Ça me fait un bien fou, ça devenait vital en fait, je ressentais de l'encombrement, que ça me prenait la tête, que c'était vraiment une charge mentale qui était là en mode « Putain, il faut vraiment que je prenne le temps de ranger, que je prenne le temps de vendre, de donner, de jeter, de trier. » Et donc, en fait, j'en ai parlé sur Insta, et une jeune femme qui fait ce métier, pas très loin de chez moi, m'a proposé son aide, et je vous ai fait un vlog consacré que à ça. Vous allez suivre le truc au fur et à mesure, mais il sortira quand on aura fini. Et là, je m'occupe de mon bureau, des tiroirs de mon bureau. Comment vous dire que c'était un sacré bordel? Et j'ai honte, hein, mais honnêtement, là je vais vous dire, devant moi, je vois une vingtaine de carnets de notes. Et sur quasiment tous, j'ai écrit les 2-3 premières pages. Donc voilà, et j'en ai plein d'autres pas entamées dans un coin. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais couper toutes ces pages-là et en fait, je vais les mettre ensemble et les ranger de manière chronologique parce qu'évidemment, voilà, ça part dans tous les sens. C'est genre le carnet que j'avais pris à Bali, puis le carnet que j'avais pris pour commencer à écrire tous les jours, chose que j'ai faite pendant une semaine. Et en même temps, j'aime bien garder ces notes-là, ça fait du bien de se relire des fois. Des fois pour voir qu'on n'a pas vraiment avancé, qu'on se pose toujours les mêmes questions, c'est toujours les mêmes problématiques qui reviennent. Des fois pour l'inverse, voir que justement bah, on a fait du bon boulot. Donc voilà, je vais faire ça et je vous montrerai rapidement le résultat. Voilà, et ça me fait du bien parce que je sentais aussi que j'étais vachement encombrée dans ma tête et que qu'en fait, de ranger autour de moi, ça commence à me permettre de faire le tri dans ma tête. Donc ça, c'était vraiment important. Je me sens un peu embrouillée dans mes envies, dans mes besoins aussi. Déjà, j'ai du mal à écouter ce dont j'ai vraiment besoin. Donc voilà, j'essaie de faire de la place. Je pense que je vous en reparlerai dans le vlog. Je vous jure, en nombre d'heures de rangement, je ne sais pas à combien je suis, mais on a quand même vidé entre les greniers, le garage et la maison, pour l'instant, une petite fourgonnette. C'est fou, tout ce qu'on peut garder avec, vous savez, le essie. C'est vraiment dingue. Donc là, je me dis, non, là, je passe à une nouvelle étape, un nouveau cycle, et j'ai besoin pour ça de pas être dans cette énergie de l'ancien et de garder tous ces trucs en se disant « et si ?» et machin, et me dire « non, ok, là, c'est une nouvelle étape de ma vie, en fait. » Bon, voilà, là, c'est tout ce que j'ai coupé des carnets. Là, c'est des carnets que j'ai gardés de formation, voilà. Ça, c'est les idées pour des vidéos, des méditations, des choses comme ça. Là, c'est un petit peu mes notes, pas mes notes, mais le style journal intime. Là, c'était pendant la grossesse. Donc, je vais toutes les ranger par date. Donc, ça, c'est les carnets maintenant qui sont vides. Il y a un petit peu de rouge à lèvres que j'ai découvert. Et je dois encore trier ça. Mais je trouve ça vachement bien de faire comme ça. Bon, ben voilà ce que ça donne. Tous ces carnets sont des carnets de notes. J'allais dire vide, neuf, enfin voilà, un peu des deux. Bon, bah c'est mardi, c'est la suite du vlog, hein. Comme vous pouvez le voir, je suis éclatée. Alors, la petite qui a pris un coup de chaud un petit peu là et qui se réveille un petit peu dans la nuit, donc elle se réveille, elle fait des petits bruits, donc moi ça me réveille, après j'ai du mal à me rendormir. Puis après, elle s'est réveillée à 6h du matin, alors qu'elle a fait la fête jusqu'à 20h30, ce qui est super tard d'habitude, elle s'endort beaucoup plus rapidement. Là, elle a fait la fiesta pendant 45 minutes. Voilà, donc je suis fatiguée, et là en plus je fais la compta. Donc comment vous dire que niveau excitation, je suis bien, mais il faut le faire. C'est un peu le jeu. Donc là j'ai les factures, enfin c'est le bordel. De nouveau le bordel, un petit peu sur mon bureau d'ailleurs. Et là comme vous pouvez voir, j'ai... les bijoux de la collab avec Aglaïa qui est enfin sortie. Mais je pense que je vais vous en reparler là rapidement dans les jours qui suivent. Mais avec une meilleure caméra, je serai mieux posée. En tout cas, je suis trop contente, ça vous plaît beaucoup. Donc je suis vraiment ravie.
Moi, ça me tardait tellement que ça sorte, on y a mis beaucoup de temps et d'amour dans tout ça. Donc voilà, et sinon au programme, écoutez, je me suis fait ma to-do list. Voilà, parce qu'en fait, dans la nuit, je me disais, ah putain, t'as ça et ça à faire. Et je stressais d'oublier. Je sais pas si ça vous le fait. Et en fait, de l'écrire, ça aide vachement. Donc j'ai déjà envoyé la facture au labo, préparé la valise, ma belle-sœur avec des vêtements de grossesse, appelé pour l'électricité. J'ai fait la story avec Réjeanne, parce que j'ai reçu des nouvelles culottes Réjeanne. Je vous les montre. Je sais pas si vous voyez. Elles sont trop trop chouettes. Et la dernière est sur moi. Donc, je vais pas vous la montrer. Mais elle est trop jolie. Enfin, attendez, je sais pas si je peux un peu montrer. On peut un peu montrer comme ça. Ouais. Vous voyez, elle est trop belle. Bronze et tout ça. Elle est trop agréable. Et là, j'ai d'ailleurs un code promo pendant un mois. Ce qui est, maintenant, en fait, ils arrêtent de faire des codes promo à l'année, ils en font que pendant des durées limitées. Donc, si jamais, profitez-en. Et aussi, s'il n'y a pas la taille, ce que vous pouvez faire, c'est qu'il y a une fonction, je vais vous le mettre là en vidéo, c'est que vous pouvez me prévenir quand la taille revient. Voilà, parce que c'est fabriqué artisanalement, il y a des stocks limités. Donc, effectivement, ils rendent ça au fur et à mesure et il faut être un peu au taquet. Donc, si vous êtes prévenu, vous allez recevoir le mail et bam, vous pouvez y aller. En tout cas, moi, c'est mes culottes préférées. Petit spoiler, une collab sortira avec Réjeanne à la fin de l'année. Ça fait des semaines, des mois qu'on travaille dessus, mais avec le Covid, tout ça, on a dû revoir beaucoup de choses. Comme d'ailleurs avec la collab à Glaya. Bon, voilà, assez papoté, il faut que je continue. J'ai encore plein de trucs à faire, un reel à tourner pour Aglaya, justement. Une vidéo favori à tourner qui devrait sortir avant cette vidéo-là, étant donné que celle-là, il faudra que je la monte et que ça va prendre toute la semaine. Mais voilà, ça va être cool. Oui, je vais un peu ranger. Ok. Bon, là, je suis en train de me faire à manger. J'avais pas trop d'inspiration. Donc, je vais faire avec ce qu'il y a dans les placards. Et là, vous voyez, on a fermé tellement il fait chaud. C'est le seul moyen d'arriver à se protéger un minimum du soleil. Mais c'est un truc de fou, hein. Je sais pas comment c'est chez vous, mais ici, c'est un peu genre canicule, quoi. Bon, alors à ça, je vais rajouter ça. Et franchement, cette marque, elle est dingo. On l'a en biocoop et en magasin bio. Je prends aussi les légumes lactofermentés, ils sont géniaux. Ah, et là, ça me fait rire. C'est un cornichon. C'est-à-dire qu'en fait, on a acheté des concombres, des plants de concombres, et il s'avère que la moitié sont des cornichons. Donc, on se tâte à faire un truc en saumure pour en avoir, mais bon, pour ça, il faut qu'on en ait suffisamment pour que ça ait du sens. Bon, je vous tiens au courant de l'histoire du cornichon. Et voilà, j'ai rajouté de l'avocat et je vais me faire ça avec de la sauce soja, du tamari. En fait, le tamari, il n'y a pas de gluten dedans et c'est moins salé. Donc, c'est encore mieux. Voilà. Et juste pour préciser, les légumes lacto-fermentés, c'est vraiment génial. C'est super bon pour le transit. C'est plein de bonnes bactéries. Donc, allez-y, foncez, quoi. Et je vais me faire ça en regardant The Dollface ou Dollface sur Disney+. C'est pas mal, c'est une série, une nana qui s'est fait jeter par son mec et qui se rend compte qu'elle a besoin de retrouver ses copines. Voilà, qu'elle s'est un petit peu mise à l'écart. Et ça me parle pas mal parce que moi je me sens assez seule quand même là. J'ai les copines qui ont déménagé, qui sont loin. Avec l'arrivée de ma fille, j'ai pas nécessairement pris le temps de vraiment les entretenir aussi. Voilà, donc ça résonne bien. Voilà, c'est un petit peu une problématique du moment pour moi. Bon, je viens de finir de manger et là je me prépare pour faire le reel pour Aglaya et je suis en train de me coiffer. Donc là j'ai fait une petite tresse collée et je vais faire pareil de l'autre côté pour en fait dégager un petit peu le visage. Et de toute façon c'est pas plus mal parce qu'avec la chaleur là je pense que je vais finir en chignon quand j'aurai fini. Alors comme il faut que je me maquille pour le reel, on va faire ça ensemble, comme ça on va papoter. Je vais commencer avec, sans surprise j'ai envie de vous dire, le super sérum skin de Ilia. Et je le secoue toujours avant parce que comme il y a le SPF qui est blanc dedans, ça teinte le truc un peu plus clair qu'il ne l'est en réalité. Et moi ce que j'aime beaucoup dans ce fond de teint, c'est qu'il est... Enfin, fond de teint. C'est plus un petit peu comme une bébé crème assez naturelle, mais moi c'est ce qui me plaît.
Voilà, donc je me suis dit que j'allais un petit peu papoter avec vous de ce qu'est en train de devenir les réseaux sociaux, parce que j'avoue que c'est de plus en plus compliqué pour moi avec Instagram, qui est devenu TikTok en fait, hein. On va pas, voilà, hein. Et moi je m'y retrouve pas trop, je sens que ça me stresse aussi pas mal, parce que je vois qu'en termes de vues, en termes de tout ça, ça... Alors, c'est pas que ça dégringole, mais en fait, je vois bien que le seul contenu qui est demandé, c'est des vidéos. Et j'ai pas toujours envie d'en faire. Donc voilà, il faut composer avec entre les envies et les demandes, on va dire, de la plateforme. C'est pas évident. Mais je crois que ça nous apprend aussi des choses. Moi, je me dis que par exemple, les reels, ça va m'apprendre à être aussi peut-être un peu plus légère, un peu plus rigolote, enfin, montrer cette part-là de moi, ce qui est cool aussi. Je vous propose de pas parler du maquillage, mais de vous marquer ça dans la barre de recherche. Ce sera plus simple. Je fête mes 37 ans, j'allais dire 35, je me rajeunis, mes 37 ans samedi, vendredi, enfin samedi en famille. Et un peu cette sensation de me sentir dépassée par tout ça, de me dire mais est-ce que c'est parce que je suis trop vieille que voilà, il faut avoir 20 ans pour kiffer? Pas nécessairement, en plus je crois. Voilà, pour moi c'est vrai que c'est devenu... Ce truc des reels, c'est pour moi du contenu qui est beaucoup plus de consommation, en quantité quoi, de masse. On est vraiment dans le capitalisme dans toute sa splendeur. Ça me fait vraiment penser, vous voyez, comme les hauls de chez Shein que l'on peut voir là sur les réseaux sociaux, sur YouTube et tout, où les nanas elles achètent mais masse de fringues pour presque rien. Et finalement, en fait, enfin, je veux dire, avoir autant de fringues, ça n'a pas de sens. On n'en profite pas vraiment, c'est plus de la qualité. Et pour moi, c'est un peu pareil, ce truc d'être là sur Insta et de faire ça, 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 d'être dans une consommation illimitée de vidéos, où en plus, ça fait que c'est hyper chronophage. On peut y passer des heures sans s'en rendre compte. Et là, tu fais putain, mais ça fait un quart d'heure déjà. J'ai l'impression que ça faisait 30 secondes. Donc, et c'est fait exprès, hein, c'est addictif, c'est fait pour qu'on reste sur le réseau. Et moi, j'ai pas trop envie de participer à ça. Et en même temps, c'est aussi par là que, bah, que je vous donne des nouvelles, que je communique sur mes projets, que je gagne aussi une partie de mon argent grâce aux partenariats, aux collabs. Et clairement, si c'est pas vu, c'est un peu emmerdant quand même. Voilà. Donc, bah. D'un, ça m'incite moi à fonctionner autrement. Donc là, l'idée c'est de développer bah, la newsletter, un peu plus Telegram. D'ailleurs, je vous mets ces réseaux-là en description parce que c'est assez cool. Je laisse des petits audios un petit peu comme une newsletter, un petit peu comme un podcast. Donc c'est un réseau social que j'aime bien, qui fait un peu penser au début d'Insta en fait, dans la spontanéité, dans le côté brut, sans filtre en fait, un peu, que j'aime bien. Donc je me dis voilà, ça fait peut-être, ça force d'une certaine façon à aller vers des choses qui nous correspondent mieux et à plus tout miser sur un réseau social. Donc c'est aussi intéressant. Et peut-être à partager un peu plus sur toutes les plateformes un contenu, ce que font beaucoup d'autres personnes. Moi j'ai tendance à me dire, oh, j'en ai déjà parlé une fois, c'est bon. En fait non, parce que si c'est un message qui est important, plus il sera fait sous des supports différents, plus ce sera aussi... Ça rentrera en fait. Donc il y a aussi ce côté-là. Et aussi parce qu'on est tous différents, il y en a qui aiment le format vidéo, il y en a qui aiment le format audio, il y en a qui aiment les écrits. Donc je crois que c'est aussi important de se dire que finalement, de multiplier les formats d'une même thématique, on va dire, bah, ça permet aussi peut-être de toucher plus de personnes. Voilà. Mais j'avoue que ça fait un peu tout revoir dans ma manière de fonctionner. Et c'est pas simple parce que comme on est dans un temps où j'avais vraiment cette sensation de ne plus pouvoir rien contrôler, ce qui est peut-être pas plus mal, hein, mais d'avoir un petit peu ce truc sur l'instant en me disant ça au moins je gère, vous voyez, ah ben là je gère plus du tout. Voilà, je gère. Et il y a aussi cette frustration et cette sensation qu'on nous force à faire quelque chose qui ne nous correspond pas. Et en même temps, si on ne le fait pas clairement, ça devient compliqué. Donc je me dis voilà, je vais essayer de trouver mon juste milieu en faisant quelques reels de temps en temps parce que ça peut être rigolo, de trouver peut-être une manière détournée de faire des reels, mais qui sont impactants, qui sont inspirants, qui apportent quelque chose et pas juste mettre ça avec des voix off de films et tout, même si je trouve ça rigolo. Et je pense qu'on peut apporter des messages aussi.
Mais voilà, ça reste quand même un format reel, donc on ne peut pas non plus raconter sa life. Mais peut-être que c'est ça que ça doit m'apprendre, être moins pipelette. Ça va pas être un avant-après de dingo, hein. Je me dis, je fais le truc naturel comme, comme je me maquille en fait tout le temps. Voilà. En vieillissant, je vais plus vers la simplicité et peut-être une certaine forme de minimalisme. J'en suis loin, mais un truc un peu dans le genre, vous voyez. Donc c'est ça qui est rigolo. Et j'en profite pour tester le gloss. Je crois que c'est celui que Céline de Is No Good préfère. Et c'est vrai qu'il est très joli, très discret. Juste la couleur des lèvres un peu brillante, c'est le 73 du Glossy Venom de Madara. Pas très gloss d'habitude, mais là j'aime bien. Je trouve que ça fait un petit fini assez sympa. Je vais remettre une petite couche de mascara. Ce mascara, il est quand même toujours aussi dingue, hein. Je sais pas si vous voyez. Voilà. Allez, j'ai tourné cette suite de reels. On voit la motivation, hein. Mais en même temps, c'est cool. Après, je trouve ça chouette. Là, je suis en train de faire celui qui est tac, tac, là, comme ça, qu'on fait tout le monde. Ça y est, j'ai fini filmer la deuxième partie. Maintenant, je mets mes bijoux. Voilà, donc je commence avec le collier en pierre de lune, voilà, que vous avez là avec la pierre. Magnifique. Vous avez vu là comment elle accroche la lumière. Donc là, je l'ai en version, je le mets en version sautoir. Là, je rajoute le collier Surya en hommage à Surya Namaskar, la salutation au soleil, qui a été mes débuts dans le yoga. Donc là, je l'ai pris dans la version plus courte avec les petites boules. J'aime bien le mélange des deux, je trouve que ça rend hyper bien. Et je rajoute à ça le choker à manta. Voilà, la maille fait penser comme à un serpent. Et donc, voilà, j'ai donné le nom d'un personnage de la mythologie indienne. Voilà, vous pouvez voir la maille ici. Ça, c'est la maille du bracelet que je vais mettre tout de suite. En fait, c'est deux pièces que j'aime beaucoup parce qu'elles vont avec absolument tout. Moi, j'aime beaucoup, en fait, avoir des pièces un peu plus fortes et des pièces passe-partout que je n'enlève jamais. Parce que ça me saoule un petit peu vraiment d'être tout le temps en train de changer mes bijoux. Là, ce que j'adore avec ma collection, pour le coup, c'est que, en fait, je ne l'enlève pas parce que je trouve que ça fonctionne très bien, quel que soit ce qu'on porte. Alors après, je mets la bague qui, en fait, est composée de trois bagues. Donc, vous avez la petite... Vous voyez, elle a, en fait, ça c'est la base de la bague, mais vous pouvez très bien la porter toute seule. Là, c'est celle du milieu, avec la pierre de lune ou la pierre de soleil. À chaque fois, tout est disponible dans les deux. Vous voyez les reflets des pierres, elles sont vraiment magnifiques. Et là, le dessus de la bague, qui est une couronne. Et de l'autre côté, je mets la bague en pierre de lune, toute simple. Hop là, voilà. Et je vais rajouter à ça une bague avec des lunes. Non, pardon, c'est en pierre de soleil. Et je vais mettre une autre petite bague qui était sur la collection de Margot, que vous voyez je mets même en plus de la bague en pierre de soleil, et elle va s'encastrer en fait dessous. Donc ça marche aussi avec d'autres bagues toutes simples, vous pouvez faire des jeux en fait comme ça, pareil celle-là vous pouvez la porter séparée sur plusieurs doigts. Voilà. Voilà, et après je vais mettre les petites, toutes petites créoles là comme ça. Hop. Voilà, celles-là, je les adore parce qu'elles sont vraiment avec cette petite forme de goutte-là qui va avec absolument tout. Pareil, vraiment, c'est ces trucs que vous n'allez pas enlever, quoi. Enfin, moi, je les enlève même pas pour me doucher. Je garde tout. Et alors, c'est pas conseillé, mais honnêtement, moi, j'ai toujours fait ça avec les bijoux à Gléria et ils ne bougent pas. Donc, voilà. Après, je vous conseillerais pas de le faire dans le sens où c'est pas les indications d'usage, mais moi, je le fais. Donc après, vous faites ce que vous voulez. Voilà. Je rajoute à ça une petite dormeuse qui reprend la bague toute simple avec les deux petits carrés. Et celle-là, je l'aime beaucoup. Je trouve qu'elle a un côté très, très doux et qui, encore une fois, va avec tout. Alors, les boucles d'oreilles sont vendues à l'unité pour vous permettre de faire ce que vous voulez, de vous amuser, vous voyez. Et là, pareil, il y a le même motif et c'est une petite puce. Et là, je le mets au deuxième trou. Voilà. Et ça, j'aime bien, pareil, parce que vous pouvez ne porter que ça et ça ira avec tout ce que vous allez mettre. Vous voyez, c'est juste la petite puce parfaite pour le premier ou pour le deuxième trou d'ailleurs. Et on va finir avec le earcuff. Alors, ce earcuff, je l'adore parce que on ne voit pas très bien les détails de finition. Voilà, la tranche est martelée. Là, vous voyez, là, il y a le détail. C'est super beau. Quand on le regarde bien, c'est hyper joli. Alors, moi, je l'ai mis là, mais vous pouvez très bien le porter beaucoup plus haut. En fait, ça va dépendre des oreilles. Honnêtement, je vous montre quand même le collier Tara en pierre
de soleil qui est aussi magnifique. Je sais pas si vous voyez les reflets. Voilà. Je suis quand même assez fière de ma collection et je trouve que ça fait un super ensemble. Voilà. Bon, on est mercredi matin, je ressemble à rien. Donc, voilà, moitié coiffée d'hier. Avec le volet fermé et le ventilateur derrière, tellement il fait chaud. Donc ça promet une journée de dingue, je crois qu'il promet 39. Et là, je vais faire mon sport. Quelle bonne idée. Comme j'avais pas trop envie de faire un truc trop muscu, je suis abonnée à Train Sweat It. C'est le programme, enfin le site en ligne de Sissi et Kimi. Et c'est vraiment chouette, il y a plein de programmes différents. C'est, enfin moi je kiffe. Et là, je me prends le programme d'Afro Dance. Voilà, faire du sport en musique, en dansant, ça me plaît. C'est moins, comment dire, c'est moins sérieux et j'aime bien aussi. Donc, bah, let's go, quoi. Évidemment, je porte ma brassière Kitiwake. Quand je vous montre le dos, voilà, toujours aussi beau. Oh, ça, c'est fait. J'ai fait deux vidéos sur le Trend Sweat Hit, Dance, je sais pas quoi, et Afro Dance, vous avez vu. Et en fait, j'avais l'impression de ne pas m'être assez dépensée, donc je suis allée sur une vidéo sur YouTube qu'on m'avait conseillée, Dina, et c'est Grow with Joe. Et c'était trop bien. Franchement, c'était 15 minutes de dance workout où la nana, elle se prend pas la tête, il y a de la bonne musique, il y a des workouts de 40 minutes, de 20 minutes, je pense que je testerai celui de 40 minutes, et j'ai kiffé. Je me suis vraiment amusée, ça fait bouger les hanches, ça fait danser un peu en même temps, c'était vraiment cool. Donc je pense que j'essaierai de faire ça un jour sur deux ou tous les jours. Il faut vraiment que je me remette au yoga, je sens que ça me manque. Mais je sais pas pourquoi ces derniers temps j'avais du mal. En fait, je sentais que j'avais plus besoin de remettre de l'énergie, de bouger. Mais là je sens que j'ai aussi besoin de me retirer. Donc je vais voir si j'ai le temps de me faire ça dans l'après-midi. Là aujourd'hui, il faut que je tourne la vidéo favori qui doit sortir ce dimanche. J'ai transpiré, je vais aller me doucher aussi avant, ce sera pas mal. Ah oui, j'ai des partages à faire. Je dois annoncer un live qu'on fait avec Margot demain sur Insta. Il faut vraiment que je me note tout parce que honnêtement, moi, depuis que je suis devenue maman, mon cerveau, il est passé d'un bon comté. Non, c'était peut-être pas un comté, mais il y avait quelques trous quand même. Mais au gruyère, quoi. Le machin, il y a des trous partout dedans. J'ai l'impression que je cherche mes mots. Je monte 10 fois à l'étage pour un truc et à chaque fois, j'oublie et je redescends et je dois remonter. Mais c'est des trucs de fou. Et des fois, je me dis, mais il y a focus, quoi. Je pense qu'il y a un peu de ça. Il y a du manque de concentration, mais aussi, je crois qu'il ne fonctionne plus comme avant. Et apparemment, ça ne se récupère pas vraiment. Donc, too bad. Dommage pour toi. Voilà, bah écoutez, je vais aller me doucher. Et je vous revois après. Bon, et comme vous me l'avez demandé énormément sur Insta, je vais vous faire une micro-routine cheveux bouclés. Donc, je ne vais pas vous la détailler. Voilà, je pense que je vous proposerai des alternatives, différents trucs. Je vous ferai une vidéo dédiée pour ça, donc là on va aller vite. Mais comme ça, vous avez voilà, déjà des pistes avant que je fasse la vidéo, parce que j'allais dire Dieu seul sait quand je la ferai. Voilà. Ce que j'utilise, c'est le shampoing Première Mousse de Noir au Naturel et il est trop bien. Je l'utilise avec l'après-shampoing Pink Paradise de Les Secrets de Loli. Il est génial. Vraiment, vous voyez là, je suis sur la moitié fin et je le trouve trop trop bien. Il démêle ce qu'il faut, il n'est pas lourd, enfin vraiment il est parfait. Voilà, donc là je vais faire ça et je fais deux shampoings. J'applique après l'anti-cerne, la fille elle ne sait plus où elle est. J'applique l'après-shampoing sur les longueurs, je laisse un peu poser pendant que je me lave le corps et voilà. Alors la suite de la routine, là ils sont vraiment gorgés encore d'eau. Ça, c'est vraiment l'idée de base. Et je vais appliquer le crème gel de la Belle Bouclin, qui je trouve est génial. Normalement, en fait, il faut appliquer une crème et un gel après. Et là, c'est deux en un. Ça me va très bien parce que moi, plus c'est long, plus ça me saoule. Donc, l'idée, c'est que vous basculiez vos cheveux en avant, comme ça. Vous avez... Alors, il y en a qui se lavent les cheveux, la tête en avant. Mais moi, quand je fais ça, en fait, j'arrive plus du tout à gérer mes mèches de devant. Elles me tombent dans le visage non-stop. Et là, vous voyez, vous allez appliquer sur les longueurs la crème. Hop. C'est vraiment l'idée des soins post-lavage qu'on va laisser, en fait. Je crois que c'est ce qu'ils appellent les leave-in, je crois. Je sais pas. Enfin bon, en tout cas, tous les soins qu'on va appliquer sur cheveux lavés, bah, c'est d'éviter ce côté frisottier, de définir la boucle.
Une fois que c'est fait, on va scruncher. Donc là, on va vraiment faire... Voyez, je ne sais pas si vous entendez le bruit, ça doit faire un truc un peu comme ça. Et c'est vraiment ce bruit que vous devez entendre. Voilà. Et là, vous allez faire ça pendant 1000 ans. Donc plus vous allez le faire, plus elle va remonter en fait. Et après, vous prenez soit un t-shirt, soit ce genre de serviette en microfibre, pas une serviette normale, qui en fait va un peu abîmer le cheveu et casser la boucle. Et vous venez faire exactement pareil. Néanmoins, les cheveux, selon les jours, ils vont boucler plus ou moins. Mais là, déjà, on voit que quand même, c'est pas mal. Et j'ai toujours, généralement, une mèche qui me saoule et qui ne joue pas le jeu. Bon, je vais tourner ma vidéo favori. Mais là, vous voyez ce que ça donne les cheveux. Donc avant, je vais taper. C'est ça qu'elles font les filles pour casser en fait l'effet trop, on va dire des fois un peu plaqué du côté gel. Ça évite de faire gonfler le cheveu et de le faire mousser. Et en même temps, ça casse cet effet gelé. Donc c'est vachement bien. Donc voilà, vous voyez, j'ai toujours cette mèche-là qui est un peu relou, qui finit par être plus lourde. Donc je m'en suis pas bien occupée d'habitude, en fait, je la tourne comme ça, là, pour la laisser finir de s'onduler et je ne l'ai pas fait aujourd'hui. Donc résultat, voilà. Mais sinon, quand même, vous voyez, niveau boucle, on est pas mal, hein. Il y en a quand même des, hop, je sais pas si on voit, des jeux vraiment jolis. Et c'est drôle parce qu'il y a des jours ça marche plus que d'autres. Là, c'est pas le jour où c'est le plus ondulé. Je sais jamais trop. Je pense que j'ai mis un tout petit peu trop de crème gel, je pense. Mais quand même, on est plutôt bien si on enlève cette mèche. Ça va encore? Attends, je vais le faire. Attends. Tiens. C'est bon? Qu'est-ce que tu fais? Ah oui, d'accord. Tu t'en veux partout? Bon, ben alors on est jeudi. Ce matin, j'ai fait une séance du programme qu'a sorti Cécile. Cécile avec qui j'ai créé la plateforme Pause Sacrée sur laquelle il y avait le programme Cycle Féminin qui était fait sur les... En fait, c'était un programme de yoga et de méditation pour vous accompagner dans les quatre phases du cycle féminin. Et on avait sorti donc ce programme il y a 3 ans, je crois, maintenant. Et là, Cécile a sorti un programme toute seule qui s'appelle Libérer mon corps, qui est génial, vraiment. J'ai fait la première séance ce matin et j'ai kiffé. Mais en fait, Cécile, à la base, c'était ma prof de yoga. C'est devenu mon amie. Mais j'adorais ses cours. Vraiment, j'avais une grande passion pour ses cours. J'avais sa manière qu'elle a, en fait, de prendre le temps d'aller en profondeur dans les postures où on sent d'un coup qu'une posture... Enfin, où on découvre une ouverture insoupçonnée. Dans certaines postures, c'est un enseignement qui, moi, m'apporte beaucoup, voilà, et où je suis tellement contente que vous puissiez en profiter. Et comme elle fait plus de cours en présentiel, uniquement les retraites, vraiment, allez voir, parce que ce programme est vraiment merveilleux. Il y a 9 cours de yoga de différentes longueurs, vous avez du vinyasa, du yin, du restauratif. Et l'idée, c'est vraiment de retrouver du plaisir à être dans son corps, en fait. Voilà. Et d'aller partir à l'exploration de tout ça. Et vraiment, ça vaut le coup. Donc ça m'a fait beaucoup de bien de commencer la journée comme ça. C'était trop cool. Après, on a fait un petit live avec Margot, les astuces de Margot, sur Insta, sous notre rapport aux réseaux sociaux et tout. Donc c'était très chouette. Et là, je vais monter la vidéo favori de hier. Et je voulais aussi vous parler d'un docu sur Netflix sur Jennifer Lopez qui s'appelle Halftime et qui en fait retrace, il parle de toute sa carrière, mais il se focalise sur le show de fou qu'elle avait fait avec Shakira
Elles étaient enfin, elles avaient fait moitié-moitié sur le show du Super Bowl. Alors, je ne sais plus quand c'était, je crois que c'était en 2020, il me semble. Et moi, je l'avais vu et j'étais là, waouh! Mais là, de voir les coulisses, de voir qu'est-ce qu'il y avait derrière ce show, c'était quoi le message, c'est quoi sa vie en fait, moi, ça m'a inspirée de ouf. Il y a un moment dans le documentaire où elle lit en fait un article à haute voix d'un magazine, je ne sais plus si c'est Elle ou Glamour, qui dit en gros à quel point enfin, elle aurait mérité, je crois, d'être nominée aux Oscars. Parce qu'elle n'est vraiment pas assez reconnue et estimée à la valeur de son talent d'actrice. Et en fait, au moment où elle lit ça, elle a des sanglots dans la voix, quoi. Et ça m'a beaucoup touchée de voir à quel point l'impact aussi des fois de ce manque de reconnaissance à Hollywood, aussi d'avoir apporté la voix de toute une communauté, la communauté latino là-bas. On voit, c'est fou, hein, on voit que les nanas qui ont été nominées au second rôle des Oscars, c'est que des blanches, blondes. Et là, tu te dis, ouais, waouh. Je veux dire, il y a quand même suffisamment de films avec suffisamment d'actrices pour pas dire on est arrivé à trouver que 5 nanas et oh, by the way, elles sont toutes blanches, blondes et, enfin, voilà, et stéréotypées un peu à la Hollywood. Donc, ouais, c'est bien plus que juste le show. Quoi, c'est que tu comprends le message vraiment, et moi j'avais pas vu ça au moment où je l'avais regardé, évidemment, le Super Bowl, parce que t'as pas le contexte, mais c'est puissant. Donc vraiment, je vous conseille d'aller le voir parce que je suis repartie de là avec à la fois de l'émotion, enfin ça m'a émue, ça m'a touchée, et à la fois un truc de dire, ok, en fait, si tu t'y mets, si t'as la foi, si tu lâches rien, il peut se passer des trucs de fou. Bon, mais sur ce, je me mets en montage de favori, mais n'hésitez pas à me dire si vous allez le voir, ce que vous en pensez. Bon, on vient d'arroser tout le jardin et là j'attends dehors parce que c'est mon anniversaire aujourd'hui et Ferdi a préparé ce qu'on appelle le petit déj d'anniversaire. C'est une tradition dans sa famille, donc c'est plutôt que de faire le goûter ou le repas d'anniversaire, c'est déjà le petit déj. Donc la journée commence trop bien et j'adore faire ça en fait. Je trouve que c'est une super idée d'ailleurs. N'hésitez pas à le faire. Donc là j'attends. Je fais 37 ans aujourd'hui. Comment vous dire? Voilà quoi. Des fois, j'ai l'impression de m'être arrêtée à 24 dans ma tête. Voilà. J'approche des 40, j'avoue, et là, il y a un peu le truc de dire, là, genre, faut pas perdre du temps avec des trucs qui te font chier. Faut vraiment aller vers ce qui te fait vibrer, en fait. Voilà. Il y a un peu ce truc-là, comme je trouve que ça crée, alors pas nécessairement une urgence, mais un sentiment de, il n'y a pas de temps à perdre. Voilà. Pour tout d'ailleurs, même pour l'état de la planète. Enfin, j'ai l'impression que tout est un petit peu à l'image de ça. Bon, donc là, on va partir sur Toulouse. J'ai pris un petit rendez-vous, je vous en reparlerai peut-être selon comment ça s'est passé. Mais avant, je vais rafraîchir mes boucles. Donc là, elles sont à J plus 3. Donc ce que je fais, c'est que j'utilise un spray comme ça. Je l'ai acheté dans mon magasin bio, mais sur l'e-shop de la Belle Boucle, elle en a. Et ce qui est chouette, c'est que je ne sais pas si vous voyez, je ne sais pas si on voit, mais en tout cas, ça crée vraiment un nuage d'une brume très très fine. C'est plus comme un brumisateur. Et donc ça permet vraiment d'humidifier les cheveux. Je pense que là, vous allez, ouais, voir un peu, sans se défoncer le doigt avec ce genre de petit tambour là. Vous voyez? Ça, on le mettra après. Et donc là, vraiment, je réhumidifie vraiment à fond les cheveux. Là, l'idée, c'est d'y aller, hein. Pas comme quand vous sortez de la douche, mais presque. Un peu comme si vous y étiez pris une bonne averse sur la tronche. Vous voyez? Voilà. C'est un peu l'idée. Bon, là, j'en ai mis sur les racines, c'est pas nécessairement une bonne idée. C'est plus de rester sur les longueurs. Vous pouvez même venir un petit peu là-dessous. Et après, moi, je prends la lotion démêlante sans rinçage au vinaigre de framboise de chez Santifolia. J'aime énormément aussi leur après-shampoing que j'utilise depuis des années. Et ça, c'est très chouette parce que comme il y a du vinaigre de framboise, ça va venir déjà neutraliser le calcaire de l'eau. Et faire briller le cheveu. Et je trouve que ça évite aussi l'aspect. Enfin, ça a un petit côté, on pourrait dire, gainant. Enfin, gainant.
plus que ça évite les frisottis. Des fois, ce que je fais aussi, c'est que je rajoute une noix, genre du crème, du gel crème, là, la belle boucle. Ça dépend des fois, en fait. Mais là, je sens que, comme le soin était assez riche, l'après-shampoing, j'ai pas nécessairement besoin. Voilà. Et pour ceux qui me demandent, globalement, c'est ma couleur naturelle. Voilà, c'est pas la couleur la plus funky du monde. En fait, je m'y suis faite. Au début, j'aimais pas. Je trouvais que c'était foncé, que c'était pas très joli. Et au fil du temps, voilà, je m'y suis faite. Comme beaucoup de choses, je crois. C'est rigolo, mais avec le recul, je crois que je m'aime beaucoup plus maintenant que je m'aimais quand j'étais plus jeune. Et je trouve aussi que l'âge apporte aussi une forme de maturité, même physiquement. Je me préfère en fait aujourd'hui avec des années en plus, peut-être aussi parce que je me connais mieux, je m'assume mieux aussi. J'essaie pas de jouer le rôle des tendances ou de tout ça, mais simplement de mettre en valeur qui je suis vraiment, je crois, au fond. Et donc voilà, c'est souvent très naturel, c'est souvent je me prends pas trop la tête, et en fait c'est ce qui me va bien. Et je remarque qu'en vieillissant, genre moins on se maquille, enfin en tout cas sur moi, mieux c'est. Qu'on réalise aussi, quand je vois comment je me maquillais quand j'étais au collège ou au lycée, enfin plutôt au lycée, au collège, je me maquillais à peine, je me dis, bah ouais, c'était les années 2000 aussi, hein, donc c'était pas le même style qu'aujourd'hui. Je me dis que j'y aurais gagné à ne pas mettre le crayon, vous voyez, dans la muqueuse, tout ce genre de choses qui me donnaient l'air fatiguée quand je regarde les photos. Mais c'est ça, moi ça me fait rire, hein, franchement, de regarder les photos d'avant, je me dis, c'est cool d'avoir cette sensation. Ça l'est moins quand tu l'as dans l'autre sens, quoi. Quand en vieillissant, tu regardes des photos de toi et tu te dis waouh, je regrette cette période-là. Moi, pas du tout. Enfin, j'ai jamais regretté en fait aucune période de ma vie. Je crois que je suis bien là où je suis parce que de toute façon, tu peux pas être ailleurs. Donc, autant kiffer en fait. Allez, je vous laisse. On va décoller pour Toulouse. Wish I could say I was finally over you, but that's not the truth. Everyone always keep falling in love. Se promène. Regarde, il y a maman, papa, Milo, Binta, le chien et la maison. C'est Simon. Et ça? Et ça, c'est Aïcha. Coucou. Alors, on est samedi. Et je suis désolée, je vlogue pas trop parce qu'il fait 40 degrés et qu'en fait on vit dans le noir. Donc il n'y a rien de fou à vous montrer. Là j'ai travaillé sur la vidéo favori qui sort demain. Pour vous donner une idée quand même du temps passé, ça prend à peu près au moins... Elle fait une demi-heure. Donc il y a à peu près une heure de tournage on va dire, même un peu plus. Hein. Le fait d'installer tout, que des fois ça marche pas, que ta batterie te lâche, qu'après tu parles des produits, enfin voilà, tout ça, ça prend quand même un peu de temps. Après il y a le montage qui prend, bah, sur une vidéo d'une demi-heure, ça dépend vraiment le nombre de vidéos et ça dépend s'il y a plein de petits plans à rajouter pour montrer les produits. Là en l'occurrence c'est ce que j'ai fait parce que je parlais aussi de ma collection avec Aglaïa. Donc je voulais que ce soit joli et tout. Donc je pense que j'ai bien été sur le montage pendant au moins 3 heures, peut-être 4. Voilà, plus après faire la description, ça m'a pris 1h30, je pense. C'est super long à faire avec les liens affiliés, voilà, tout mettre bien quoi. Plus après la vignette. Donc vous voyez, tout cumulé, ça prend presque une bonne journée en fait. Voilà. Et donc hier, on a fait un apéro piscine. À la base, Ferdi voulait me faire la surprise qu'on retrouve des potes en ville, mais voilà, il faisait 40 degrés et je lui ai dit, écoute, franchement, on peut pas rester à la maison dans la piscine parce que dans Toulouse, il va faire encore plus chaud. Et donc, en fait, on a fait l'apéro piscine, je vais vous montrer peut-être des petites photos si j'en retrouve. Et trop cool, on a découvert que les bols Ikea en inox flottent dans une piscine, donc c'était trop bien. Alors après, j'ai pas une piscine de fou, c'est une petite piscine... Elle fait 1 mètre de haut, elle est hors sol, c'est surtout pour la petite, voilà. Mais petit apéro dedans, c'était très cool. On a regardé le match de rugby après, Toulouse a perdu. Too bad. Et on s'est couché à minuit. J'étais au bout de ma life ce matin. Moi, je me couche à 21h30 d'habitude, vous le savez. Donc là, j'étais genre... voilà. Et là, tu sens que t'as plus 20 ans.
Et que t'as un enfant qui, par contre, se lève à 6 h du matin. Mais elle a trop bien dormi parce que je lui ai mis un ventilo dans sa chambre. Et franchement, j'ai testé plein de ventilos et il est trop bien. Je vous le mettrai si vous voulez. J'avais regardé, c'était quoi? Que choisir? Ou 60 millions de consommateurs, je sais plus. Enfin bon, quoi qu'il en soit, je vous mettrai le lien. Et il est bien parce qu'il est ultra silencieux sur les trois premières vitesses. Après, pour le coup, il ronronne vachement plus fort. Mais pour dormir, c'est juste parfait. Ça fait un tout petit air. Et ça évite que bah, dans une pièce, quand on rentre, on a cette sensation d'un air qui est lourd, pas du tout brassé. Ça t'aide un petit peu. Clairement, c'est pas une clim, mais personnellement, voilà, moi, c'est hors de question que j'investisse dans une clim. Il y a une partie de moi qui aimerait bien pour mieux dormir, mais il y a une autre partie, c'est pas possible, quoi. Au niveau écologique, c'est pas possible. En fait, là, je lisais un truc qui montrait que les clims font augmenter la température des villes de 1 degré et demi. Donc, en fait, les gens achètent des clims pour rafraîchir dans leur maison, dans leur appartement, mais en contrepartie, ça fait augmenter la température dans les villes de 1 degré et demi. Donc, en fait, là, je me dis, non, il y a un truc au niveau à l'intérieur des villes, dans les logements, à revoir pour faire en sorte que d'un, on vive mieux la chaleur et de deux, que les villes, il y ait peut-être plus d'arbres, moins de pertes de fraîcheur, des choses plus isolées, enfin j'en sais rien. Mais en tout cas, clairement, plus de verdure dans les villes, ça changerait beaucoup de choses. Je sais pas si vous avez vu la différence quand vous êtes à l'ombre d'un arbre, tout simplement, la fraîcheur qu'il y a. Et c'est un arbre, c'est... Voilà, c'est pas une clim, ça coûte rien, c'est un arbre. Donc moi, ça me fait beaucoup réfléchir tout ça. Donc voilà, ma réflexion par rapport à ça. Donc ce matin, vous l'avez vu, on est allé à la médiathèque en allant au marché. Et je trouve ça vachement bien. Je ne sais pas si vous en avez par chez vous et si vous avez des enfants ou pas d'ailleurs. Mais la médiathèque, c'est trop cool, quoi. Enfin là, on a pris 7 ou 8 livres, je ne sais plus. Ça nous fait découvrir des nouvelles choses, ça fait de la rotation dans les livres. Et on sait qu'avec les enfants, c'est bon d'avoir de la rotation. Et ça peut aussi faire que votre enfant tombe sur un livre qu'il ou elle adore et que résultat, vous pouvez lui acheter après. Donc c'est trop cool, quoi. Voilà, plutôt que d'acheter des livres, au final, on se rend compte que c'était un peu nul, vous voyez. Donc ça, j'ai vraiment bien aimé. Et je crois que c'est gratuit. Enfin, nous, c'est gratuit pour peu qu'on habite dans la ville, en fait, que vous ayez un justificatif de domicile. Donc ça, c'est vraiment chouette. Voilà, je vais aller chercher ma fille qui est chez ma mère, parce que ma mère habite juste à côté de chez moi. Et là, dans la maison, je vais aller voir combien il fait. Je vais aller voir dans la chambre de ma fille. Attendez. Ah. Super la lumière. Putain, il fait 27 dans sa chambre. 27. Voilà. Truc de fou. Et encore, je me dis, étant donné qu'il fait 40 dehors, c'est pas trop mal en fait. Bon, je referme mon petit rideau, je l'avais ouvert pour vous faire la vidéo, mais là c'est plus possible. Ah, j'imagine que vous allez me demander la petite salade là que vous avez vue qui était dans la piscine, c'est pastèque, feta et menthe. Alors, niveau naturo et mélange, c'est pas du tout, c'est pas censé être très digeste, mais bon, tu fais pas ça tous les jours, mais c'est trop bon et c'est très frais, c'est vraiment. Trop bien, et je crois que tu finis par un peu d'huile d'olive, c'est ça? Pas forcément. Pas forcément, mais tu peux en mettre un peu. Voilà, et là on a la petite qui découvre la glace à la fraise. C'est un succès! C'est bon? C'est bon la glace? Tu veux qu'on ouvre le volet? Ouais. Eh oui. Mais là elle comprend pas. Là tu parles à comprendre que on vit dans le noir comme ça. Mais bon, c'est un peu le jeu. Non, c'est fini. Je n'ai plus. Quand l'huile de coco est liquide comme ça, et oui, l'huile de coco, et oui, c'est que décidément il fait beaucoup trop chaud. Ça va? Qu'est-ce que tu fais? Voilà, qu'est-ce qui lui arrive à ce bébé? Ouh! Me dis, j'ai une tête là. Putain, la nuit a été chaude, on a laissé tout ouvert, on a dormi au rez-de-chaussée pour avoir un peu d'air. Il y avait vachement de vent, donc ça a fait du bien. Je vais faire à manger et je voulais vous montrer. Donc là, on fête l'anniversaire avec ma mère, son compagnon, ma mamie, des copains, Cécile.
Yoann et leur fils, et Ferdi, évidemment, et ma fille, et je vais faire des rouleaux de printemps, parce que je me disais, mais putain, qu'est-ce que tu peux faire qui soit d'un qui ne demande pas de chaleur, donc pas de cuisson, qui soit un peu frais, enfin assez agréable quoi, mais qui soit pas trop compliqué. J'avais pas envie de me prendre la tête, en même temps j'avais pas envie non plus de faire une salade. Je me suis dit, putain, les rouleaux de printemps c'est plutôt cool. Donc je vais vous montrer, c'est super facile. Puis en plus je trouve que ça a toujours de la gueule, donc c'est plutôt cool. Et je vais faire avec une sauce à la cacahuète. Je crois que ça va être plutôt bon. Donc là je vous montre, il y a du concombre, poivron, donc c'est coupé assez finement, de la carotte, du chou rouge, ça fait une jolie couleur et c'est croquant. Là, il y a des cacahuètes que j'ai concassées, de la menthe du jardin pour apporter un peu de fraîcheur. Là, vous avez des vermicelles de riz que vous mettez dans l'eau bouillante et après vous les passez sous l'eau froide pour que ils soient froids. De la salade du jardin, les feuilles de riz, je vous montrerai comment on fait. On va les mettre dans un petit peu d'eau tiède. Et là, je prends du tofu fumé et du tofu curry mango. Après, vous pouvez le faire tout à fait sans, ça passe très bien. Mais voilà, j'avais envie d'en mettre un petit peu pour avoir des protéines. Et je vais le couper en lamelles et voilà, c'est parti. Bon, finalement, j'ai mis la feuille de riz dans un saladier d'eau froide. C'est beaucoup plus facile, donc vous le laissez genre 15 à 30 secondes. Vous pouvez la sortir avant qu'elle soit trop molle, on va dire. Et là, vous le mettez sur un torchon qui est humide aussi, sinon ça va coller. Et on va commencer à remplir. L'idée, c'est de protéger un petit peu la feuille de riz. Donc d'un côté, vous pouvez mettre les vermicelles de riz. Et on va éviter de trop les charger parce que moi, là, dans les précédents, je me suis un petit peu excitée. Et résultat, quand vous essayez de le plier, c'est galère, ça ne fonctionne pas très bien. Alors, c'est toujours plus joli de mettre effectivement le petit chou à l'extérieur. Mais comme là, d'habitude, je fais dans des feuilles de riz plus grandes, donc je peux beaucoup plus le rouler. Mais celles-là sont un peu petites. Donc, je me dis que ce ne sera pas plus mal, voilà, de ne pas trop en mettre. Là, je rajoute le tofu. Comme ça, on va mettre le concombre. Après, c'est à vous, vous allez en faire plusieurs. Vous allez voir que plus vous allez en faire, mieux seront les, on va dire, les derniers, parce que vous allez trouver le coup de main. Après, le petit poivron, hop, vous pouvez mettre un peu de cacahuète. Là, la cacahuète, on essaie vraiment de la mettre hop, au milieu, parce que c'est souvent ça qui vient trouer la feuille de riz. Et un petit peu de salade. Moi, ce que je vous conseille, c'est d'enlever la partie dure, en fait. Même le but, c'est pas qu'il y ait beaucoup de salade. C'est juste d'apporter un petit côté un peu croquant. Un peu de menthe. Des petits bouts de menthe. Après, tout dépend. Si vous kiffez la menthe, vous pouvez y aller. Hein, mais vous pouvez aussi la mettre à côté si vous n'êtes pas sûr que les personnes qui mangent avec vous aiment ça. Et là, je vais finir par la carotte parce que je pense que ça protégera mieux la feuille de riz. Hop. Voilà, vous essayez de dégager un petit peu les côtés parce que quand vous allez rouler, ça va être galère. Et là, vous venez mince. Voilà, déjà, je commence bien. Vous venez étirer votre feuille de riz. Typiquement, évitez de faire ce que j'ai fait où elle s'est collée contre elle-même. C'est un peu... Et vous allez venir le tenir entre les mains. Et évidemment, plus votre feuille sera grande, plus ce sera facile parce que vous pourrez faire plusieurs tours pour éviter que la feuille ne se casse. Et moi, je les plie en fait juste avant, on va dire, la dernière roulade. Hop, vous voyez, comme ça, ça va le bloquer et ça va éviter que votre rouleau ne s'ouvre. Et voilà. Franchement, il est plutôt pas mal. Et vous allez voir, c'est super joli à présenter. Si vous le coupez après au milieu, vous allez avoir toutes les couleurs. Bon, mais c'est le dernier jour de ce vlog, c'est lundi, j'ai commencé à filmer lundi, je termine lundi, en fait à la base je voulais terminer hier, mais hier c'était la course, en fait ça prend vachement de temps de faire des rouleaux de printemps, et je sais pas, d'habitude je suis douée, mais alors là, c'était pas trop ça, donc c'est essentiellement Ferdi qui les a fait, on avait les invités qui arrivaient, donc voilà, ça a été un peu la course toute la journée. Donc là, je voulais aujourd'hui vous parler, pour terminer ce petit vlog, de ce qu'on a fait vendredi pour mon anniversaire. Je vous avais dit, on a fait un rendez-vous qui s'appelait la parole au bébé. Donc c'est comme de la kinésio, je ne sais pas si vous savez ce que c'est la kinésio, c'est une technique, on va dire, psychocorporelle, et à travers
la tonicité du corps, le praticien va pouvoir interroger le corps. Un petit peu comme si votre corps répondait à votre place et court-circuitait votre mental. Donc moi j'en ai déjà fait pour moi et c'était super intéressant. Là ça reprend en fait un peu la même technique, sauf que le parent va servir de support en fait à l'enfant. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire le test sur l'enfant, ça demande de rester trop calme trop longtemps, surtout avec un bébé aussi jeune, qu'en fait on part du postulat où le parent peut, il peut y avoir comme un espèce de transfert au niveau du parent. Donc ça on y croit pas, moi j'y crois fortement. Et elle interroge le corps et elle voit comment le corps réagit en oui ou en non. Voilà, j'espère que j'ai assez bien expliqué, c'est pas ma spécialité. Hein. Et donc en fait là ce qu'elle fait c'est qu'elle interroge à travers, donc là en l'occurrence c'était moi, la maman, les émotions de l'enfant, enfin voilà. Et bien sûr, avant, elle nous demande pas mal de choses, un petit peu pour savoir sur quoi on va aller, qu'est-ce qu'on va aller explorer. Et c'était trop intéressant. Ça m'a vachement touchée. J'ai pas envie de rentrer dans les détails, parce que c'est aussi assez intime. Et en fait, elle disait, bah, c'est juste que là, tous les trois, vous avez vécu des choses pas évidentes. L'accouchement n'a pas été simple. Hein. C'était, je vous le rappelle, une césarienne en urgence. Après, il y a eu l'opération des freins de langue qui n'était pas rigolote non plus. Enfin, voilà. Et après, plus tard, bah, ça a été assez compliqué avec son papa. Je vous en ai déjà parlé aussi dans des vlogs. Donc, on n'a pas vécu ensemble pendant un mois. Puis, ça a été de nouveau encore un peu difficile après. Donc, tout ça, on l'a vécu tous les trois, elle aussi, quoi. Et là, elle lui dit, écoute, j'ai des choses à te dire, est-ce que c'est ok, est-ce que tu veux les entendre? Et ma fille qui s'approche d'elle et qui fait, oui. Et tout le temps où elle lui parlait, elle écoutait vraiment. Et on voyait qu'il y a un truc qui était en train de se passer chez elle. Et surtout, que les émotions de son papa et de sa maman, c'était les émotions de son papa et de sa maman, qu'elle n'avait pas à les protéger, qu'elle n'avait pas à essayer d'aider son papa et sa maman avec ça, quoi, que c'était nous les adultes et à nous de gérer. Et qu'apparemment ça jouait aussi en fait avec son sommeil tout ça, parce que c'est des émotions qui remontaient au moment du coucher par exemple. Et c'est trop fou parce que depuis qu'on l'a fait, donc depuis vendredi, bah là ça fait trois couchers qui se passent, mais comme une lettre à la poste, alors qu'il fait un temps de malade, il fait trop chaud. D'habitude, enfin là, les jours d'avant, c'était une galère, on n'arrivait pas à la coucher, elle n'arrivait pas à s'endormir, ce qui est bien normal parce que, voilà, elle avait trop chaud, quoi, et je pense que c'était compliqué. Et là, comme ça, les siestes, où bah, nous, chez nous, elle faisait plutôt 1h15, 1h30 de sieste, et des fois 1h40, mais c'était rare. Là, elle nous a fait entre 2h et 2h30. À chaque fois, elle s'est un peu réveillée. J'y suis allée, petit câlin, elle s'est rendormie direct, chose que d'habitude c'est impossible. Donc c'est fou, je pense que c'est un truc qui nous a libérés aussi tous les trois par rapport à ça. Un petit peu comme si c'était de dire, ok, maintenant ça s'appartient au passé, on peut avancer. Donc je pense que c'était une séance qui était bonne pour tout le monde. Hein. Mais voilà, je crois que ça a nommé des choses. Moi c'est vrai que je pense que personnellement ça a été vraiment dur pour moi. C'est cette dernière année et demie. À la fois bah, dans mon corps, dans mon couple, dans mon même professionnellement parlant, où je me cherchais aussi de l'arrivée d'un enfant qui bouleverse tout. Donc ça m'a fait du bien aussi d'accueillir tout ça et d'une certaine façon de dire ok, c'est vrai, et c'est ok d'être triste en fait, d'avoir cette émotion qui était là, et je la sentais vachement ces derniers temps. Et là je sens qu'il y a comme quelque chose qui s'est allégé. Et c'était trop bien parce que ça s'est fait le jour de mon anniversaire. Et ce que je voulais vous dire aussi par rapport à ça, je sais pas si ça peut être un conseil, j'aime pas trop dire ça, mais en tout cas, voilà. C'est n'hésitez pas à verbaliser ce que vous ressentez auprès de votre enfant. Parce que votre enfant sent tout, en fait. Donc, plus vous allez le verbaliser, plus lui, ça le libérera aussi de cette charge émotionnelle que vous gardez, en fait. Parce que quand on verbalise aussi une émotion, et quand on l'exprime, et quand on s'autorise à l'exprimer, elle est libérée d'une certaine façon. Et donc des fois, les enfants expriment des émotions à notre place. Donc si vous mettez des mots, si vous leur dites que vous vivez telle et telle chose et que voilà, c'est l'émotion de maman, qu'il ne faut pas s'inquiéter, ou de papa, que votre enfant peut vivre sa vie d'enfant et tout, je trouve que ça aide énormément. Dites-vous que même si vous
voulez protéger votre enfant en ne lui disant pas, en ne lui montrant pas, il sent. Donc ça vaut le coup d'être plutôt dans l'échange en fait sur le sujet. Et vous verrez, ça apporte une dimension, je trouve, un peu magique aussi à la relation quand on s'autorise ça. Et j'avais envie de finir par un coup de cœur. Mais alors là, que j'ai eu, j'ai reçu en fait les tops, donc les no bra tops là de Mina Storm. Je les avais vus passer chez Hello, je les avais vus passer chez Céline Is No Good et je m'étais dit ça a l'air bien cool et je valide. Et leur brassière est aussi géniale, je vais vous montrer à quoi ça ressemble tout de suite. Donc voilà, vous voyez, ça arrive à cette hauteur-là et en fait, le top est doublé sur la face avant et derrière, il est, ça, y a juste une épaisseur, ce qui le rend très agréable, très léger. Moi, j'adore, je n'aime pas porter de soutien-gorge l'été ou alors quand j'en porte, c'est des brassières. Et là, c'est trop agréable parce qu'il fonctionne hyper bien avec des tailles hautes. La bonne longueur, vous voyez, ni trop court ni trop haut. Il peut être très agréable aussi si vous voulez faire du yoga, enfin tout ce qui est sport a peu d'impact en fait. Et vraiment, ce qui est cool, c'est qu'on ne voit pas le téton grâce à la double épaisseur. En tout cas, moi, on voit pas le mien. J'imagine que ça dépend de la couleur. Si vous prenez une couleur très claire, il y a moyen qu'on le voit. Mais là, vous voyez bien, ça ne se voit pas. Alors après, évidemment, ça ne va pas vous faire une forme de sein vraiment en pomme, vu que ce n'est qu'une double épaisseur. Il n'y a pas à l'intérieur quelque chose qui remonte un peu la poitrine. Moi, je m'en fous, personnellement, aussi parce que je n'ai pas énormément de poitrine. Et vraiment, c'est un coup de cœur. Surtout en ce moment qui fait chaud, je pense que vous allez le kiffer. La brassière, ce que j'aime bien, c'est qu'elle a les petites coutures ici, donc elle donne une certaine forme à la poitrine. J'aime énormément la découpe devant. Alors après, vous me direz, avec certains hauts, c'est peut-être pas assez décolleté. Moi, j'aime bien parce que d'un, vous pouvez aussi la porter que comme ça, aussi pour faire du yoga et tout. Elle est ultra confortable. C'est tout en coton bio. Hein. Ce coton est vraiment très, très confortable. La couleur est parfaite. C'est super beau sous une chemise blanche. Déjà, sous tous les hauts blancs d'ailleurs. C'est très joli. Et moi, j'aime bien aussi des fois avec justement des robes très décolletées, des hauts très décolletés. Bah, des fois, on n'a pas envie. Et je trouve que là, ça permet d'avoir un truc qui est très, très simple et qui vient justement habiller un petit peu plus le décolleté. Voilà, moi j'adore, vraiment, je pourrais la porter tout le temps et je trouve qu'elle est très très confortable par rapport à l'élastique qui est mis là. Il est plus fin, j'ai des houillards jolis et il est plus épais l'élastique et là comme il fait chaud, franchement d'avoir un petit élastique qui vient juste où il faut sous la poitrine, qui rajoute pas vraiment trop d'épaisseur, je trouve que en ce moment c'est pas désagréable. Donc voilà, vraiment un gros coup de cœur, je vous montre comment il est voilà derrière. Bon ben voilà, ce vlog est terminé. Je vous en referai un très vite, je pense. C'était très cool de passer cette semaine avec vous. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite.